Chers frères et sœurs, nous saluons dans le moment ça, dans l'heure, Papa bon Dieu. Nous disons, s'il vous plaît, rangez chez vous, chita. Mettez bibou, cahier note, crayon sous table ça. Nous voulons faire connaître que sous table ça, c'est seule affaire, Papa bon Dieu, qui règle là. C'est cause spirituelle seulement qui parle là. Sous toutes ces causes, nous disons bienvenue dans le sixième épisode. Nous appelons dans le livre L'Esprit de prophétie, Jésus-Christ, troisième chapitre qui titré La plénitude des temps. Nous profitons pour moi-même avec vous saluer collaboratrice, Sœur Geneviève Petit. Pour nous commencer avec lecture, nous lisons tout d'abord dans Genèse 49, verset 10. Il dit comme ça: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Bien-aimés, nous avons prié pour nous commencer. À nous prier. Adorable Père, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous louons parce que vous c'est bon Dieu. Nous remercions de ce que vous réunissez là encore dans l'autre fois pour nous continuer à explorer dans le livre Jésus-Christ, le vrai sens de l'amour authentique. Nous demandons, Papa, chaque petit tout qui répond présent pour assister nous dans la compréhension et permettre que lecture ça capable d'une bénédiction pour chacun de nous. Nous demandons pardon pour péché nous, ba nous sagesse. Assistez-nous par la puissance du Saint-Esprit pour nous capables de comprendre lecture ça et gagner en réserve pour nous partager avec nous l'autre qui pas connaît qui est Jésus-Christ. Bénis notre collaboratrice Geneviève Petit. Bénis chacun de nous indistinctement. Grâce nous demandons au Seigneur. Nous prions au nom et par les mérites de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous pourrons continuer. Mais tout d'abord, nous allons observer une courte pause et nous vous reviendrons dans quelques secondes. Vous écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Zamim, nous retournons. Nous rappelons que nous avons continué lecture nous dans le livre Jésus-Christ, chapitre 3, qui titré La plénitude des temps. Nous avons continué avec chapitre là. Il dit comme ça: Dieu avait parlé au monde par la nature, par des figures et des symboles, par les patriarches et les prophètes. L'humanité avait besoin d'être instruite dans un langage humain. Le messager de l'Alliance devait parler. Sa voix devait se faire entendre dans son propre temple. Il fallait que le Christ prononce des paroles claires et intelligibles. L'auteur de la vérité devait dégager la vérité de la balle d'invention humaine qu'il avait rendu sans effet. Il fallait que les principes du gouvernement divin
et du plan de la rédemption soient clairement définies. Les leçons contenues dans l'Ancien Testament devaient être parfaitement exposées aux hommes. Papa bon Dieu t'a parlé avec l'homme, par la nature, par des images et par des symboles. Il parlait tout avec patriarche, avec prophète. Mais l'humanité t'a besoin d'apprendre dans un professeur qui parlait un langage humain, un professeur qui parlait langage moun, qui parlait langage l'homme. Messager alliance là, tu dois parler. Qui est ça? Eh bien, c'est Jésus-Christ, oui. Li te dwe fè moun tan de vwa li nan tanp li, yon fason klèr et intelligible. Yon fason klèr ke tout moun kapab wè, tout moun kapab tande. Auteur verite a te suppose dekese kote yon balèl la nan siyans ou intervensyon l'om. La verite li an kese yon kote. L'homme gagne, mais on encaisse l'un côté. Tout ça nous tendait, c'est ça qu'on fait, oui. La science, c'est ça la science a fait. Eh bien, nous allons continuer avec notre bien-aimé sœur Geneviève dans un prochain paragraphe. Cher Hermite, ou tellement clair, moi pas gagne qu'à additionner. M'a continué avec prochain paragraphe là. Il y avait encore parmi les Juifs des âmes fortes, descendants de cette sainte lignée qui avait conservé la connaissance de Dieu. Ils restaient attachés à la promesse faite au Père et appuyant leur foi sur les paroles de Moïse. Pourquoi? Une grande question là. Gagné encore parmi peuple juif là des âmes fortes. Moun sa yo qui rete attaché nan lignée connaissance parole bon Dieu. Mais est-ce que moun sa yo ta la prendre un côté spécial ou bien c'était même message là que yo te apprendre même avec toute l'autre reste? Donc ouais, c'est ça le déye. Mais gon groupe qui te rete attaché à promesse bon Dieu. Jean te fait promesse li yo. Yo rete attaché avec elle. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera en d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Ça c'est Moïse. J'ai dit peuple là. Le Seigneur, votre Dieu, a suscité un prophète et quand vous m'avez dans mes temps, nous, et nous avons attendu le même dans tout ça qu'il dit nous. Il apprenait comment le Seigneur devait oindre son élu pour porter la bonne nouvelle aux humbles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et pour proclamer de la part de l'Éternel une année de grâce. Il apprenait comment il devait établir la justice sur la terre et comment les nations devaient mettre leur confiance en sa loi, comment les nations devaient être attiré par sa lumière et les rois par l'éclat de ses rayons. Malheureusement, nous connaissons verset à qui lit là qui cité là mais livre là pas ban moi iPad là pas ban moi citation. Finalement, mon Dieu a fait tes faits et l'a continué fait
des prophètes ou bien des messagers ou bien tant que nous capable dire des sentinelles parmi peuple hein qui pour capable et aider petit lio rester sur Raïla. Oui, sœur Geneviève, d'après lecture là, nous comprenons que dans toute génération, toujours gagnons un groupe, un reste qui était attaché à la parole de Dieu. Confiance dans la parole là, quelles que soient les circonstances, il aurait été sur le roc solide. Et surtout, Moïse t'a assuré que gagne un prophète cap vini et prophète ça l'a vini toute nation a attiré par lumière li et par rayon de l'éclat de son soleil. Donc nous pral continuer avec lecture nous dans chapitre 3 titré la plénitude des temps. Il dit, ces paroles de Jacob mourant remplissaient leur cœur d'espérance. Le sceptre ne sera point enlevé à Juda, et le bâton du commandement n'échappera pas à son pouvoir, jusqu'à ce que vienne le Pacifique. La puissance d'Israël, en s'évanouissant, attestait l'imminence de la venue du Messie. Oui, nous songeons que longtemps, si nous pas te connaît longtemps le monde n'a pas mourir surtout monde qui croit en bon Dieu yo il toujours gagne une dernière parole. Eh bien Jacob il était assuré yo que le sceptre, c'est-à-dire le bâton le sceptre d'équité, le bâton du commandement, il pas sorti dans main yo, pas gagne monde qui peut retirer non mais Juda. Et il continue pour dire Israël t'a perdu puissance. Oui. Mais yo t'ai assuré yo que Messie l'a venu. Il continue pour dire la prophétie de Daniel dépeignait la gloire de son règne devant succéder à tous les royaumes terrestres. Et lui-même subsistera éternellement, ajoutait le prophète. Ils étaient peu nombreux, il est vrai, ceux qui comprenaient la nature de la mission du Christ. Mais on attendait généralement un prince puissant venant établir son royaume en Israël et délivrer les nations. Oui, Daniel, le prophète, dit expliqué que prophète ça cap venir. L'a venir avec une gloire sans pareil. Et prophète ça l'a prend place tout le monde, l'a ratiboisé yo et lui-même l'a prend place yo pour capable parce que lui-même c'est un prince puissant. L'a venir établir royaume ni et l'a délivrer toutes les nations. Et nous-même moi-même avec vous nous attendons ni oui. Oui, nous faisons partie du peuple Israël par la foi. Nous attendons. OK? OK. Donc, nous prenons pause et nous retournons. Venez joindre nous avec notre bien-aimée sœur Geneviève Petit. Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie? Vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse? Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, régner Dieu et donner lui gloire? C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas! Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez
Tous les dimanches, c'est une nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Sans que je n'ai pas besoin d'additionner rien, je continue avec le prochain paragraphe. Là. Les temps étaient accomplis. La corruption de l'humanité accrue d'âge en âge par la transgression des lois divines rendait nécessaire la venue du Rédempteur. Bon, si j'entends ça, corruption de l'humanité t'es tellement monté, transgression loi bon Dieu, t'es rendu possible pour rédempteur la divinité. Et pourtant pas nous. Satan s'était efforcé de creuser un gouffre infranchissable entre la terre et le ciel. Ses mensonges avaient enhardi les hommes dans le péché. Il se proposait de fatiguer la patience de Dieu, d'éteindre son amour pour l'homme et de l'amener à lui abandonner la juridiction de ce monde. C'est toujours même ton prio qui a continué. Nous fatiguer, mon Dieu, trop. Regardez, non, nous ne pas continuer comme ça. Et là, on a mis le consacre, on a mis patience, on a détruit patience, et puis là, on a que virer de le quitter nous. Satan cherchait à priver les hommes de la connaissance de Dieu, à détourner leur attention du temple de Dieu en vue d'établir son propre royaume. Même bagaille qui était passé dans le jardin d'Éden, il paraît dans l'autre façon. Parce que les vina prennent plus toujours ça les gain plus moyen pour capable tromper nous. Sa lutte pour la suprématie paraissait presque couronnée de succès. Il est vrai que dans chaque génération, Dieu a eu des serviteurs. Dans chaque génération, bon Dieu a une petite lit. Il y avait même parmi les païens des hommes que le Christ employait pour élever le peuple au-dessus du péché et de la dégradation. Même parmi les païens, mon Dieu, il y a un peuple là tout. Mais ces hommes furent méprisés et haïs. Beaucoup d'entre eux moururent de morts violentes. Les noirs ombres accumulées sur le monde par Satan s'épaississaient de plus en plus. C'est que plan, c'est pour vérité, c'est pour connaissance, parole bon Dieu, pas jamais venir joindre nous. Plus nous ignorons, le plus bon pour lui. Est-ce qu'on pas avoir ce qu'on s'allie dans ton ça nous est là? Ou pas besoin qu'on ait, pas qu'à faire tout chaud, à fond peur? Qui ça différent de ça ennemi principal là t'a fait dans ton passé yo, avec ça l'a fait actuellement, avec monde que nous pas penser que yo ennemi, mais qui c'est plus grand ennemi que yo. Nous pas besoin qu'on ait, n'a pas qu'à faire tête nous chaud. Nous te gêta connait ça déjà pourvu que la Bible te dit yo te gen pour fête si la prophétie te gen te dit yo gen pour fête y a fait normalement nous pas mal tête nous problème so en nous marcher tant cou autruche mettez tête nous dans mettant jambe nous et puis tête nous à terre puis avancer mais nous toujours qu'on dit le aveugle a mené aveugle n'a tomber dans même trou hélas. Chers amis, nous allons continuer avec l'étude. Chers nous,
Geneviève Petit. Te lire pour nous et nous gen en tant que arrivé c'était corruption sur toute la ligne. Satan pa jamais suspend travail. Et yon moment arrivé pas traité en pile pour te crier victoire. N'a continué avec un nouveau paragraphe. Mais tout d'abord, n'a pli pour dans Apocalypse 12 verset 9. Li dit: Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimé, gain de foi, nous croyons que l'est nécessaire pour nous lire même un verset dans parole là pour vous, pour assurer vous que quel que soit verset que vous lisez dans Bible là, vous avez besoin d'explication dans un livre l'esprit de prophétie. On a les frères, n'oublie comme ça. Pendant des siècles, Satan s'était servi du paganisme pour détourner de Dieu les hommes. Mais son plus grand triomphe avait été la perversion de la foi d'Israël. En contemplant et en adorant leur propre conception, les païens avaient perdu la connaissance de Dieu et s'étaient corrompus. Il en était de même en Israël. L'idée d'après laquelle un homme peut se sauver par ses œuvres se trouvait à la base de toutes les religions païennes. Cette idée, dont Satan est l'auteur, s'était maintenant introduite dans la religion juive. Partout où elle s'établit, elle renverse les digues qui s'opposent à l'envahissement du péché. Depuis Jésus t'a chuté Satan tombé sous la terre, l'a travaille contre tout monde qui prend décision pour servir Papa bon Dieu fidèle. Si pio gaillé ou pas gain problème. C'est comme ça même si vous voulez adorer Papa bon Dieu créateur, de chercher un moyen quand même pour que adoration ça c'est à lui-même l'y aller. C'est ça le fait pour te détourner foi peuple Israël là. Nous allons continuer. Le message du salut est communiqué aux hommes par des instruments humains. Mais les Juifs avaient tenté de monopoliser à leur profit la vérité qui assure la vie éternelle. Ils avaient amassé et mis en réserve la manne vivante qui s'était corrompue. La religion dont ils avaient voulu s'accaparer était devenue malfaisante. Ils dérobèrent à Dieu sa gloire et frustrèrent le monde en lui offrant une contrefaçon de l'évangile. Ayant refusé de se livrer à Dieu pour sauver le monde, ils devinrent des instruments de Satan. Même jodia, li fait un pile monde connaît la foi dans Jésus pas gain valeur. Gain œuvre pour faire pour ca sauver. C'est ça oui, ennemi en fait un pile monde connaît. Nous-mêmes nous dit vive le sang de Jésus-Christ. C'est comme ça jodia côté juif laye li mette yon barrière yon frein nan croyance moun en Jésus. Gen yon message pour sauver yon peuple Papa bon Dieu remè. Et c'est l'homme qui parle langage l'homme qui pou bay message là. Mais juif
te akapare verite sa. Yo monopolize li. Tandis que li pou tout moun ki sorti nan Adam. Yo vole gloa papa bon Dieu. Et yo range l'évangile la nan fason pa yo. Yo bay petit papa bon Dieu yo yon l'évangile deuxième main. C'est comme ça, au lieu yo accepter collaborer avec créateur ya pour yo sauver nation yo, yo vin instrument Satan. C'est détruit ap détruit. Ça très fort bien-aimé. An nou mande papa bon Dieu pour faire nous grâce pour nous pas yon instrument nan men Satan sans nous pas rendre nous compte. Zanmim, nou ap pran yon pause. Nou ap retourne vin jwenn nou. Respire. Bien-aimé, nous avec vous. Oui, Sœur Geneviève Petit, collaboratrice nous, expliquait que gain en conversion qui fait, gain en transfert qui fait, qui semblait compte de goutte de l'eau à ça que t'es fait déjà. Lucifer, ange de lumière, t'es converti en ténèbres, ange de la perdition. Râlez plus haut, bien-aimé. Mettez tous les deux pieds en dans barque là, côté Jésus-Christ. Pas quitter Satan puis les pieds. Veillez son âme. N'a pas continué avec lecture. Ou songez dans qui livre n'a pli? C'est Jésus-Christ, troisième chapitre, qui titré La plénitude des temps. En allez. La duperie du péché avait atteint son comble. Tous les moyens susceptibles de pervertir les âmes humaines étaient à l'œuvre. Le Fils de Dieu, en contemplant le monde, ne voyait que souffrance et misère. Sa pitié fut émue, car il vit avec quelle cruauté Satan traitait ses victimes. Il considéra avec compassion ceux que l'on corrompait, assassinait et perdait. Le chef que les hommes s'étaient donné les enchaînait à son char comme des captifs. Égarés et trompés, ils s'avançaient en une triste procession vers une ruine éternelle, vers une mort sans espoir, de retour à la vie, vers une nuit qui ne suivrait aucun matin. C'est triste. Des agents de Satan s'emparaient de corps humains, ces corps destinés à être des habitations de Dieu étaient envahis par des démons. Les sens, les nerfs, les facultés, les organes des hommes étaient employés par des puissances surnaturelles pour satisfaire les passions les plus viles. Des visages humains portaient l'empreinte des démons. Ils reflétaient les sentiments des légions du mal qui les possédaient. Voilà ce qui souffrait au regard du Rédempteur du monde. Quel spectacle pour un être infiniment pur. Nous toujours dit, mensonge pas duré, tout menti pas fond.
eh bien, mensonge péché fait contre lui. Satan, le malin, le menteur, utilise l'homme pour le faire tout ça le café pour pervertir l'homme. L'être créé, l'être cher à son créateur, créé à son image. Jésus te gardé monde là. Tout de suite, lui exprimer tant que l'homme. Lui demander est-ce que c'est monde ça m'te créé ou bien c'est un autre. Parce que lui ouais c'est misère, c'est souffrance seulement qui veille. Que Jésus fait le mal. Le loué qui Jean Satan a traité victime ni yo. Petit bon Dieu cruellement a souffri. Li te gen compassion tout moun que Satan te corrompu, li te assassiné, li te perdu. Yo. Satan te gen pouvoir pour te tromper moun sa yo, enchaîné yo dans char de bataille li et puis y a avancé vers la ruine. Vers yon mort éternel. Corps humain sa yo, qui t'a supposé tant papa bon Dieu, Satan envahi yo avec mauvais esprit. Sens moun sa yo, nerf moun sa yo, capacité moun sa yo, et même organe yo, Satan te servi avec yo, pour faire bagay ki pi laid qui existe. Est-ce que ça fait jodi a tout? Point d'interrogation. Gayon sien jodi a ki rele beauté côté que l'homme surtout la femme pas jamais satisfait de tête li a cherché estime de soi dans un mauvais pâturage le tu a dit nous gen visage moun ou gade littéralement ou est empreinte là photo yon mauvais esprit yon démon moun nan possédé. Le Jésus te gardé monde là, c'est ça le te vive. C'est un vrai spectacle là pour Jésus, un être infiniment pur. C'est triste. Bien-aimé. Nous t'a aimé. Prends une pause. Nous avons retourné venir joindre nous. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée « Santé et bien-être ». Dans l'émission « Santé et bien-être », nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission « Santé et bien-être » sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission « Santé et bien-être » est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Chers amis, nous allons continuer avec lecture nous. Après deux paragraphes, nous avons terminé avec chapitre 3, qui titre la plénitude des temps. Sœur collaboratrice nous, Geneviève Petit, expliquez-nous comment le péché change nom. C'est la science que tout le monde a prouvé, tout le monde a appliqué. Et les habitants des autres mondes qui pas jamais péché, y a gardé avec intérêt intense, y a pas attendre pour voir que le Jésus-Christ a campé pour venir détruire les habitants de la terre qui mettaient tête ensemble avec Satan pour capable travailler contre bon Dieu créateur. Nous allons continuer avec lecture nous. Il dit, Satan avait prétendu que les principes du gouvernement divin
rendent tout pardon impossible. Si le monde avait été détruit, il y aurait vu une preuve de la véracité de ses affirmations. Il osait accuser Dieu et voulait propager sa révolte dans les mondes supérieurs. Il osait accuser bon Dieu, créateur, le papa bon Dieu. Et il a fait disciple, mais les mondes supérieurs n'ont pas accepté l'invitation. Nous avons continué. Or, voici qu'au lieu de détruire le monde, Dieu envoya son Fils pour le sauver. Bien que la corruption et le mépris de Dieu fussent répandus partout dans cette province révoltée, un moyen de salut fut trouvé. Au moment critique où Satan paraissait sur le point de triompher, le Fils de Dieu vint chargé du message de la grâce divine. À chaque siècle, à chaque heure, l'amour de Dieu s'était manifesté envers la race déchue. Malgré la perversité des hommes, les marques de la miséricorde n'avaient pas cessé d'être prodiguées. Et quand les temps furent accomplis, la divinité se glorifia en inondant le monde d'un flot de grâce salutaire qui ne devait jamais s'arrêter ni se retirer tant que le plan du salut ne serait pas accompli. Oui, Satan jouait pieds et mains et il continuait à travailler pour faire le monde connaître que Jean-Papa bon Dieu mettait principio, pardon, c'est un bagage qui est impossible. Pour lui, si le monde l'a détruit, il est capable de montrer que il a des preuves pour qu'il mette tout le monde en bas pour voir. Satan t'a osé accuser Papa bon Dieu, créateur lui. Qui ça va faire encore? Eh bien, Papa bon Dieu t'a envoyé Jésus-Christ pour sauver le monde. Ça. Satan t'a pris un mauvais coup. Oui, corruption en terreau. Gardez, Papa bon Dieu, tant qu'on y est, t'a prêché par Satan. Mais t'es gagné un moyen de salut. Le Satan range école pour le relais triomphe. Dit étendit yon cri de victoire. Dans chaque siècle, dans chaque moment, l'amour ça toujours tout neuf, li pas vieilli. Malgré l'homme pas bon, l'homme pervers, miséricorde, l'amour papa bon Dieu toujours la même genre. Bien-aimé, nous pral continuer avec lecture nous pour nous terminer. Chapitre 3, la plénitude des temps. Oui, finalement, pour capable et comprendre nous bien, ça a fait depuis longtemps et ça a continué fait. Ouais, depuis le ciel, c'est à la loi, il y a des problèmes. Parce qu'elle montrait que un prétendu principe gouvernement, bon Dieu, c'est lui qui fait l'impossible pour mon servir bon Dieu ça. Et que c'est ça qui fait que lui voulait pour que le monde l'en connaisse. Ou pas besoin de loi bon Dieu non plus. Ce n'est que vivre et puis c'est tout. Donc ça cap dit si pays nous fait ça pito ou bien un petit monde nous fait ça pito. Tout le monde libre pour faire ça vle. Et pour moi fini, il dit Satan était ravi pendant qu'il avait réussi à avilir l'image de Dieu en l'homme.
Jésus vint alors pour rétablir en l'homme l'image de son Créateur. Lui seul peut reconstituer son caractère ruiné par le péché. Il veut chasser les démons qui exerçaient une domination sur les volontés. Il veut nous arracher à la poussière et remodeler les caractères déformés pour les rendre semblables au divin modèle et leur communiquer la beauté de sa propre gloire. Finalement, j'étais bien content parce qu'il sentit le travail bien. Finalement, il dit, mon Dieu, pour faire tout ça capable. Il pensait que c'est fini pour l'humanité. Mais il ne connaît pas bagaille comme ça. Il ne connaît pas le plan de la rédemption qui était déjà conçu dès la fondation du monde. Et c'est là que le bras le saisit pour louer que mon Dieu de Guétan fait plein pour nous. Et d'un coup que chapitre dit nous la plénitude des temps, nous voyons que bagaille là prend temps. Tant que les prophéties, la Bible montre nous et que même côté les fins chassés dans le ciel là, les fait premier par nous souffrir et pécher. Mon Dieu pas couru détruit lui ou bien camper travail lui, mais les quitter le continuer avec course lui. Parce que habitant l'autre monde yo a suivre ça qui passe là a suivre et au besoin réponse pour comprendre ça qui passe là tant que depuis dans ciel là elle fin péché si mon Dieu t'es même côté à éliminer eh bien l'autre habitant yo t'a pas servir mon Dieu avec peur saleté dit au de mon Dieu tab vini en réalité et pourvu que mon Dieu créé nous tout avec libre habit nous livré pour nous servir pour nous obéir par amour tant que la Bible dit que peur pas dans l'amour l'amour parfait banni la crainte donc pourvu que mon Dieu voulait que c'est par amour pour nous obéir à lui-même pour nous servir et donc c'est ça que fait temps passé pour que tout ça mon Dieu te vle fait capable fait toute souffrance l'humanité c'est en fonction de rédemption mon Dieu et gain plan pour capable sauver le monde mais faut que ce plan ennemi l'arrive dans terme. Parce que quand elle finit la guerre, discrédit sous nom mon Dieu, et l'autre planète qui pas péché a gardé bagaille là, donc faut mon Dieu qui en réponse pour le bal avec tout monde là qui pas péché, inclus nous-mêmes, pour nous comprendre côté péché sorti et comment que ennemi ça li introduit planète pas nous en même dans péché. C'est ça que nous té ouais dans la plénitude des temps. Temps passé et té gon moment que té arrivé même c'est comme si peuple là c'est pas comme si on pas même té tendé parce que dans même chapitre ça il dit que peuple a dit tout bagay fait, prophétie accomplie, temps passé, et pas jamais gagné qui fait son peuple arrive au moment, peuple là, découragé d'accabdi. M'bar servi à mot ça parce que c'est zamli, mais nous dit comme ça parce que le vin plus facile pour nous dire. T'as coupé un paragraphe qui dit, les temps étaient accomplis, la corruption de l'humanité accrue d'âge en âge,
par la transgression des lois divines. Ça peut mettre que et rendait nécessaire la venue du Rédempteur. C'est que bagayou a vin dégénéré, un peuple là, captant yon Messie, yon vin dépatienté, finalement yon pensé, tout bagay fini, mais mon Dieu lui-même, et promesse li pas gagné ni hot, ni retard la donne. Ça fait que, autant marqué, autant voulu, Jésus, le Messie, vini. Malgré le vini autant marqué, mais peuple là, pas trop connaître lui, parce que il était gentan dépatienté. Et souhaitons que, moi-même avant, si Messie t'attendait vini, alors maintenant, t'attendait vini, pour nous pas passer dans la même route avec peuple Israël. Israël Chanel. Parce que nous-mêmes, c'est Israël par la foi. Vous écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Bien-aimés, nous terminons avec le troisième chapitre dans le livre Jésus-Christ qui titré « La plénitude des temps ». Nous concluons que Papa bon Dieu, Papa dorme et le Papa chambre dorme. Nous voulons dire que tout ça nous est fait sous la terre dans l'administration. Ce voleur là qui relait Lucifer qui t'a copié tout ça yo en roi. Le Jésus-Christ chouté sur la terre, il vini, il organisé mon pal ici-bas. Et de là, moi même avec nous apprendre faire plan, nous apprendre faire projet, nous gain horaire et si nous c'est propriétaire yon compagnie, nous gain sacré les cycles. Donc, moi-même avec vous, ça nous pense de Papa bon Dieu. Est-ce que li pa gen horaire? Est-ce que li pa gen yon jour pour lever camper, pour dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Frèm, sèm, rete gade. An rete gade, tande? C'est yon seul bagay. Continuez, vin faire lecture avec nous. Pour nous continuer, préparer nous pendant que Radio Télévision d'Espoir a accompagné nous sur route là qui menait la caille Jésus-Christ. N'ap kite ou avec verset sa yo. Ézéchiel 12, verset 21 à 23, ou à méditer sur lui. Mais n'ap lil pou ou avant nous quitter ou. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire. Les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Une dernière fois, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Amen. Papa bon Dieu béni on. Allez nos amis, na wè encore tout à l'heure.
Je te suis, présent me plaindre.